Le temps, comme il s'écoule au Chardon Bleu, m'a rendu sensible au temps du petit commerce. J'ai eu envie de traverser non pas les miroirs, mais les vitrines des boutiques de ma rue. Être dedans, du côté des artisans, des commerçants et des vendeurs, dans la lenteur et la patience de leur travail, dans les moments d'attente, et quand les clients sont là, ce sont les clients qui attendent. Dans ces temps morts, ces temps vides, dans ces regards parallèles, dans ces mystères de l'échange quotidien.